Alors qu'il profitait de ses vacances, la jeune star du football Kylian Mbappé a exprimé son ressenti concernant sa situation au sein du PSG. Ses propos ne passent pas dans le vestiaire parisien. Cela fait un moment que l'avenir de Kylian Mbappé a été mis sur le devant de la scène par le joueur lui-même. Le célèbre attaquant, qui a récemment fait savoir publiquement sa volonté de ne pas prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain, PSG, sous-entendu de partir libre en 2024, fait l'objet de vives polémiques au sein du club. J'ai été vraiment choqué d'apprendre qu'il avait l'intention de partir gratuitement. Point, personne n'est plus grand que le club, aucun joueur, même pas moi. C'est très clair, avait déclaré publiquement le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi. Si la déclaration de Mbappé a suscité de nombreuses spéculations quant à avenir au sein du club parisien, le feuilleton est sur pause depuis que le joueur a posé ses valises au Cameroun, sur les terres de son père Wilfried. Le capitaine des Bleus a décidé de se concentrer sur son temps libre et de ne pas aborder sa situation sportive. J'ai envie de profiter de mon séjour, de profiter de tous les Camerounais, et si y estime ma seule préoccupation, a-t-il déclaré lors d'une rencontre avec une journaliste présente à Yaoundé. Un apaisement médiatique qui n'aura été que de courte durée, car les déclarations explosives du joueur dans sa récente interview accordée à France Football ont clairement ravivé les tensions au sein du PSG. Ceci est une insulte pour le club. Dans une récente interview accordée à France Football, la star des Bleus a remis en question la valorisation de ses performances, affirmant qu'elles sont sous-estimées en raison de son affiliation au PSG. Est-ce que les gens banalisent mes performances? Oui, mais, en même temps, je ne leur en veux pas, a-t-il confié dans cette interview, avant de poursuivre sa pensée. En France, on m'a vu grandir, on me voit tout le temps, au PSG tous les week-ends ou en sélection. Et ça fait des années que je marque beaucoup. Donc, pour les gens, ça devient normal. Je ne me suis jamais plaint que mes performances soient banalisées. Point. En plus de ses réflexions sur sa propre valorisation et l'image du PSG, Mbappé a également abordé les éliminations prématurées du club en Ligue des Champions. Il déclare qu'il ne sait pas ce qui manque au PSG pour remporter la compétition, estimant que si c'est une question qui ne le concerne pas directement. Il place plutôt la responsabilité de ses échecs sur les épaules des dirigeants parisiens, soulignant qu'il essaie simplement de faire de son mieux sur le terrain malgré les obstacles. Des propos qui ne passent pas auprès du vestiaire du Paris Saint-Germain. Selon RMC Sport, 6 joueurs, dont 2 nouvelles recrues, ont envoyé un message au président du club, Nasser Al-Khelaifi, exprimant leur mécontentement. L'un de ses coéquipiers aurait même qualifié les propos de Mbappé d'insultes pour le club. Le président du PSG aurait également été choqué par ces déclarations, les considérant comme un manque de respect envers tous les joueurs actuels, les nouveaux arrivants, l'entraîneur et les fans.